Peace and game. Dans l'épisode précédent. Allez, on va se retrouver pour le sixième match. Neymar, Neymar et le but. Go. Bonjour à tous les amis. J'ai une annonce très importante à vous faire. En effet, dans le cadre de ma série 50 matchs 0 défaite, j'ai perdu. Et pas qu'une fois. Oui, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu. Si je te dis que j'ai perdu, j'ai perdu. J'avais pas du tout la rage. Cet homme a trop la rage. Surtout quand on voit pourquoi je perds. Je laisse sortir la balle, je suis malin, je m'appelle Danilo. À vouloir trop assurer, on se prend des buts. Étant donné que vous appréciez énormément cette série, j'ai décidé de rattraper mon retard sans vous l'annoncer sur Facebook, Twitter, reprendre ma série au stade auquel j'étais. Je peux vous garantir qu'après 3-4 défaites, je commençais vraiment à douter si c'était possible. À chaque fois que je recommençais, je me disais, je vais y arriver! J'y arrivais pas! J'ai joué longuement pendant des heures en pensant à vous. Mes efforts ont porté leurs fruits parce que maintenant, j'ai réussi à rattraper mon retard et à réaliser 6 matchs sans défaite là où j'en étais pour mon premier épisode. J'étais tellement dégoûté de devoir recommencer toujours une nouvelle série que j'ai totalement oublié de filmer le premier match de ma nouvelle série. Vous voyez que mon nombre de victoires est de 284 et mon nombre de défaites de 285. Je ne devrais pas dépasser les 185 pour cette nouvelle série, vous l'avez bien compris. Et pour le 284, j'ai en fait commencé à 283 victoires, étant donné que vous pouvez le voir en bas de l'écran. J'ai gagné 5 buts à 3, mais comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas filmé. Ça fait donc, au début, les statistiques initiales, 283 victoires et 185 défaites. Allez, trêve de bavardage, maintenant on passe au 7ème match pour reprendre là où on était. Yeah.
to being flexible was supposed to prove that I love you. You take advantage every chance you get. You break my heart at every chance you get. You let me know that every chance you get will protect me. Allez les amis, maintenant on va passer au 14e match avec un petit rappel. Alors niveau statistique, je vous ai dit hein, les stats initiales sont de 283 victoires, 48 nuls et 185 défaites. Donc si on fait le calcul, on en a 294 victoires moins 283, ça fait 11. 11 matchs donc sans défaite. 50 moins 48, ça fait 2. Donc 11 plus 2 est égal à 13 les amis. Donc ça fait 13 matchs sans défaite et nous allons entamer le 14e tout de suite. Allez, let's go, comme disent nos amis anglophones. Vous l'avez vu durant cet épisode, j'ai tout repris à zéro étant donné que j'avais été éliminé trop tôt. Hein. Enfin, j'avais éliminé, non, mais j'avais perdu mon défi beaucoup trop tôt. Et je sais que vous appréciez quand même un minimum cette série. Donc, je me suis dit que j'allais tout reprendre à zéro sans vous le dire. Donc là, je vais jouer pour le 14e match sans défaite. Alors que là, on voit une équipe qui va m'être confrontée, la Barclays. Une équipe de Barclays avec Dembaba, Suarez, Nasri, Nani, Ben Arfa et Yatouré. Compagnie en défense, ça va être assez chaud. Une grosse équipe, il va falloir que je sois concentré à 200%. Et vous l'avez vu également, j'ai acheté le maillot du Bayern Munich. C'est psychologique quand j'ai envie de remettre les pendules à l'heure, entre guillemets. J'achète souvent un nouveau maillot, de préférence un maillot d'une équipe qui cartonne en ce moment. Et c'est donc le Bayern Munich que j'ai choisi. Ça peut être très compliqué étant donné les performances incroyables de l'équipe bavaroise cette saison. Bolitton en profondeur peut-être pour Luis Gustavo. Luis Gustavo sur le côté. Ah, elle a voulu repiquer peut-être pour tourner au centre. Mais malheureusement le défenseur qui était bien présent. Et là une faute annoncée par l'arbitre. Par contre je sais pas si ça s'est bien vu dans les résumés, mais il y a des matchs, c'était très 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 chaud pour moi. Franchement une équipe, l'équipe avec Messi là, où une autre, où il y avait aussi une autre équipe, où j'ai fait deux matchs nuls. Il y en a un, j'ai fait 5-5. C'était un truc de malade. Et souvent, attention peut-être avec Alessandré Pato qui part au but là. Alessandré Pato, Alessandré Pato, la frappe et le but. Petro Cheski ne peut strictement rien faire sur cette frappe à terre de Alessandré Pato, pardon. 7ème minute de jeu, c'est déjà très imparti pour mon équipe. Ça fait 1 but à 0. Bien joué de la part du jeune prodige. Enfin du jeune, non maintenant c'est plus vraiment un jeune prodige, mais qui joue au Corinthians, le brésilien. Qu'est-ce que c'est bien joué, une frappe à terre. La défense de l'adversaire qui n'était pas très très bien en place. Et l'adversaire qui me semble un petit peu plus faible que ceux que j'ai pu rencontrer quand même dans la série. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré des équipes incroyables. Vraiment c'était très difficile. À un moment je partais 2-0, ça m'est arrivé deux ou trois fois, je sais plus, deux fois je crois dans la série. J'ai vraiment cru que c'était fini et que franchement j'allais jamais y arriver. Et je sais pas, je me suis vraiment concentré à 300%. Et puis ouais, franchement j'ai vraiment parce que bon après vous pouvez vous dire oui c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent oui tu sais tu mets que des buts à la PES. J'aime bien les gens qui disent ça, je suis d'accord, mais le truc c'est qu'aussi les équipes que je rencontre c'est des trucs de fou. Il y a des Messi, des machins, des Agüero. Je peux pas me permettre de faire des gestes techniques ou quoi, c'est très compliqué. Vous vous rendez pas compte peut-être le défi, faire 50 matchs sans défaite c'est très difficile hein. C'est quasiment même impossible hein. Je sais pas, mais il y a des très très bons joueurs. Enfin voilà, FUT c'est vraiment basé aussi un peu de parfois sur le hasard, donc c'est vraiment pas évident. Donc désolé si parfois je mets des buts pour assurer, mais je suis vraiment obligé hein, sinon je vais essayer de tenter des choses incroyables. Mais peut-être là avec Wellington. Non, pas mal la reprise hein. Il y a un petit peu de temps, la balle qui a mis un peu de temps à descendre. Contré, corner peut-être là sur David Luiz. Non, c'est bien défendu de la part du défenseur de Barclays avec Nasri qui a pas relancé peut-être proprement. C'est bien joué sur Suarez. Voilà, pour finir là-dessus, désolé si parfois je mets pas des buts exceptionnels, mais bon, je suis obligé d'assurer tellement que c'est des matchs difficiles. Franchement, des fois, c'est vraiment des matchs très compliqués, et voilà, à part si vous voulez que je mette des beaux buts, mais que je perde, parce que franchement, si je tente des choses incroyables, mais que je marque pas, ça va pas le faire. Allez, revenons au match. Et Wellington, vous avez dû le voir dans le résumé, c'est vraiment un joueur incroyable. Hein. Un joueur incroyable, Wellington, il est tellement fort dans le jeu. Je mets beaucoup de buts avec lui. Hein. Vous l'avez vu aussi, j'ai mis pas mal de buts avec Neymar, enfin, j'ai commencé un petit peu à en mettre. Bon, je commence petit à petit à m'habituer à lui, même s'il n'a pas un collectif énorme dans mon effectif. Allez, peut-être là avec Luis Gustavo pour Wellington maintenant. C'est bien joué, Wellington. Le passement de jambe, Wellington, le centre à terre. C'est bien joué, c'est dégagé par le défenseur de mon adversaire avec Danilo.
Oh oui, qu'est-ce que c'est bien joué sur le Mandel. Là je développe mon jeu, j'essaie de d'asphyxier mon adversaire. Le plus important c'est de marquer le deuxième but. Pour être bah, tout simplement le plus tranquille possible. Je peux vous garantir que c'est très rare les matchs où je gagne facilement, tranquillement. Franchement j'ai souvent eu très chaud. Même un 0-0 jusqu'à la 88ème minute, on se dit il suffit qu'il marque un but et c'est perdu. Donc ça stresse vraiment même s'il y a match nul. Avec Danilo sur le côté droit, le débordement, Danilo le passement de jambe, Danilo en retrait pour Alessandré Pato. Ah, ils se sont gênés. Ils se sont gênés, c'est pas terminé. Kramires, Danilo. Ah dommage, hein, je cherchais de l'autre côté Lucas Moura, si je me trompe pas. C'était un petit peu trop en retrait. Wellington, ça joue bien, ça joue rapide. Côté brésilien. Avec Richards qui peut relancer sur Touré. Nasri. C'est bien Nasri qui accélère. Suarez, attention quand même à pas. Oui, bien joué. Superbe anticipation de la part de Thiago Silva. Il est réputé pour ça. Et il nous l'a encore prouvé il y a quelques instants. Bon, le petit pont, un petit peu de réussite pour moi. Ramirez, la frappe de Ramirez. Elle passe au-dessus. C'est bien joué ça. C'est bien joué Ramirez. Ça c'est bien, il faut tenter aussi. C'est vrai que, en fait, j'ai pas évoqué également ce point, mais si vous voulez, dans la première série, là, celle où j'ai perdu au 7ème match, si je me trompe, au 6ème match, pardon, le souci c'est que, en fait, tout simplement, j'étais. Non, pas le. Non, c'était le 9ème, je crois. Le souci, en fait, c'est que, tout simplement, je mettais trop la pression, je voulais trop assurer, vous l'avez vu pour le but, hein, j'ai voulu laisser sortir la balle, c'était n'importe quoi. Et maintenant je me suis vraiment débridé entre guillemets, je joue plus calmement. En fait je me mets beaucoup de pression, vous vous rendez pas compte. Mais ce défi il me met beaucoup de pression. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent la série. Il y a des gens qui me sont abonnés pour ça. Donc si je perds trop rapidement. Peut-être Alexandre Pato. Allez mon bonhomme, le doublé peut-être. Dommage, c'est pas terminé, Kaka. Oh, ça a sorti par cette Petr Cech. Ah oui, j'évoquerai aussi Kaka. C'est important de le signaler. Oh là 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 là! La boulette de la part de Petr Cech. Il a fait tout simplement une toile d'araignée gigantesque. Petr Cech qui a fait une sortie pitoyable. On va revoir ça au ralenti. Une erreur vraiment bizarre. Il a voulu dégager du point. Malheureusement, il est un petit peu trop avancé. Enfin, malheureusement pour lui et heureusement pour moi. Ça fait 2-0. Et ce match qui s'annonce peut-être un match plutôt tranquille. Contrairement à ceux que j'ai pu faire par le passé. Donc oui, je vous disais quoi. Oui, voilà, je vous disais que je mettais trop la pression. Maintenant, je joue plus calmement, etc. Parce que voilà, ouais, il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de cette chaîne, de ce défi, pardon. Donc c'est vraiment important pour moi. Donc je mettais un peu la pression. Je peux vous garantir que des fois, par exemple, quand je perds 2-0 et enfin, par exemple quand j'ai perdu et j'essaie d'égaliser et tout, c'était vraiment chaud. Je crois que j'ai mis un poteau à un moment. Et mon cœur il battait à fond, enfin vous vous rendez pas compte, mais c'est tellement la pression. C'est un truc de dingue, j'ai pas l'habitude de jouer des compétitions ou quoi, mais c'est pas de la compétition là, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc voilà, maintenant je joue plus calmement, je me dis que si je joue comme ça, après c'est pas bon pour moi, peut-être là, non dommage. Et donc maintenant voilà, je tente plus des frappes de loin, etc. Parce que après on est plus imprévisible. Le problème c'est que avant, dans mon premier essai, pas mon deuxième on va dire, parce que ouais, le premier c'était plutôt le tout début dans mes vidéos précédentes, il y a quelques mois, mais ouais. Dans l'essai que j'ai réalisé et que vous avez vu au début dans ma chaîne, tout simplement, voilà, j'étais trop prévisible, j'étais devenu trop prévisible. Peut-être, oh là, la tête et le but. Le doublé de Thiago Silva, ça c'est très rare. C'est très très rare, le doublé de Thiago Silva sur corner là. Bah, c'est bien joué, encore un but bah, un peu dégueulasse, hein, faut l'avouer, mais bon, c'est un but. On va pas cracher dessus quand on est en mode compète, tous les buts sont bons à prendre. Donc voilà, je vous disais que si. Si en fait on est trop entre guillemets stressé, notre jeu pardon devient trop stéréotypé. On peut trop deviner facilement ce que je vais faire, etc. Et c'était pas bon du tout. Donc là en fait je tente plus des frappes de loin, etc. Comme ça l'adversaire ne sait pas trop ce que je vais faire simplement. C'est plus difficile de prévoir ce que je vais faire. Alors que là je fais rentrer Neymar à la place d'Alessandré Pato. Parce que voilà je gagne 3-0 et j'aime bien faire rentrer Neymar pour continuer à m'entraîner avec lui, etc. C'est quand même un joueur agréable à jouer. Et donc voilà. Et pour évoquer le point Kaka. Alors que là le pressing. Oh, Marcelo qui a tenté le petit tacle glissé. C'était bien joué. Bon, 3-0, hein, c'est un match pour l'instant tranquille, on va pas vous le cacher. Si je perds mon défi là-dessus, je suis vraiment une grosse daube. Parce que me prendre 4,
me prendre 4 buts en une mi-temps, ça serait une faute professionnelle. Mais on sait jamais. Ça peut arriver. Ouh, Diego Alves. Ah oui, j'ai aussi changé de gardien. Je sais pas pourquoi je m'étais roulé au César. En fait, Diego Alves, je trouve meilleur. Et donc, Kaka, je le mets maintenant à droite. Franchement, j'aime bien. Il est pas super rapide. Oh, super, parce qu'il a réalisé Neymar. Neymar. Oh là là là, et voilà, c'est ça qu'on a avec lui. Il a voulu tenter, il a encore un geste technique, dommage. Et attention, au départ de Ben Arfa, peut-être pour la réduction du score. Ben Arfa, le petit crochet en patte de chat. Et Marcelo qui fait un retour exceptionnel, qui ne réalise pas de faute. Et c'est relancé sur maintenant Ramirez. Et comme je vous ai dit, Kaka, je fais jouer maintenant parce qu'il est vraiment bon. Hein. Il a une super frappe et c'est un joueur vraiment complet. Bon, oui, il est pas très rapide, mais je me rends compte que finalement la vitesse parfois c'est pas non plus le plus important tout le temps. Parce que des fois j'avais des joueurs rapides, mais j'avais du mal à faire la différence après dans la zone de vérité, on va dire. Donc voilà. Oh, et bien joué Wellington, le super crochet. Allez, la balle pour Lucas Moura. Lucas Moura peut-être pour le quatrième but. Lucas Moura, la passe pour Neymar. Ah oui, j'ai tenté le petit crochet parce qu'en fait, voilà. Je voyais déjà venir les... Mais putain, il met que des buts de merde. Il met que des buts de PES. Donc voilà, j'ai essayé de mettre un petit but parce que là, je gagnais 3-0. Mais bon, normalement, j'aurais dû le mettre au fond. Mais c'est juste pour vous, essayer de mettre un peu des buts stylés. Mais c'est pas évident tout le temps. Neymar peut-être sur le côté droit. Allez, Neymar, 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 Neymar. Il est exceptionnel, il est incroyable. Le geste technique. Oh, il a tenté la virgule derrière le pied d'appui. Et malheureusement, c'est pas passé. Non, je tente de faire un peu le spectacle, même si je suis pas très 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 fort en geste technique. Je tente des petits trucs parce que voilà, 3-0 là, c'est très rare hein, que je gagne 3-0 comme ça. Ça doit être le seul match. Je vous rappelle que si je gagne ce match ou si je fais match nul, j'en serai à 14 matchs en défaite sur les 50 prévus dans mon objectif. J'aimerais bien faire au moins aussi bien que mon premier essai en fait. Ouh, la frappe. J'avais réalisé 23 matchs. Le dégagement sans confession pour David Luiz. Allez, Neymar, à la passe pour Wellington. Wellington, oh, le petit lob. Oh, le poteau. Oh, j'ai cru que ça allait aller au fond au début. Après, j'ai vu que ça commençait à sortir. Je me suis dit, je pense que je vais pouvoir la récupérer avec Wellington. Et finalement, c'était un tout petit peu trop juste. Dommage. Marcelo. Ouh. Oh là là là, l'attentat. L'attentat réalisé par Vincent Kompany. C'était vraiment vraiment violent. Et là j'ai mis Danilo parce qu'en fait tout simplement je voulais pas montrer du coup parce que c'est dans la série où j'ai perdu, mais j'ai mis deux coups francs avec Danilo. Sincèrement je trouve vraiment très bon sur les coups francs de assez loin. Donc voilà, j'ai tenté même si c'était un petit peu sur le côté là. Wellington, voilà, il est intenable là. On se rapproche vraiment du voilà, il reste 20 minutes. Franchement, si je continue comme ça, je vois pas comment je peux perdre mon défi là-dessus. Yaya Touré. Avec Nani. Et oui, Danilo. Qui récupère le ballon. C'est bien joué, Danilo, tranquillement, avec le petit râteau. Thiago Silva, on fait tourner maintenant côté brésilien avec Luis Gustavo. Kaka. Neymar. Eh non. Eh non, Neymar qui fait pas une bonne entrée. Je tente beaucoup de gestes techniques avec lui. Malheureusement, ça ne rentre pas. Dembaba avec David Luiz qui défend face à lui, c'est peut-être pas si évident que ça. Dembaba qui a réussi à faire un bon petit truc, le centre pour Suarez, mais la bonne défense de Thiago Silva, le monstre, El Monstro. Oh, Neymar qui tente l'arc-en-ciel alors qu'il avait un super départ. S'il veut pas retourner sur le banc, Neymar, va falloir qu'il fasse un peu mieux. Attention. Et le but de Samir Nasri. Voilà ce qui arrive quand on veut trop on veut trop jouer facile, on veut trop impressionner la galerie entre guillemets. Ouais, ça arrive, hein, c'est toujours comme ça de toute façon. Ça fait 3 buts à 1 et attention tout de même hein. Parce que j'en ai vu des choses incroyables. Wellington. Ouh là là, il est chaud. Wellington, il passe tout le monde. Lucas Moura. Wellington qui a fait un super engagement, on va dire. Lucas Moura avec Wellington. Oh, la parade de Petr Cech. Attention, parce que là, par exemple, imaginons qu'il marque dans les 5 prochaines minutes. Non, c'est vrai que, non, je suis bête. J'avais oublié que s'il y a match nul, c'est pas grave. Mais bon, après, j'essaie quand même de faire que des victoires le plus possible. Hein. J'en ai fait 2 matchs nuls depuis le début.
J'espère de plus de victoires possibles, étant donné que après pour les points c'est quand même mieux. Et puis après je gagne pas mal d'argent parce que quand je finis champion, je gagne plus d'argent. Donc c'est pas mal aussi. Allez Neymar, Luis Gustavo, ça joue très rapide, ça joue bien. Neymar, oh, encore une fois, il veut trop... Je fais n'importe quoi avec Neymar. J'ai vraiment fait n'importe quoi avec Neymar. Lucas Moura. Ah oui, c'est pas mal de gens qui demandaient, mais je comprends pas, tu commentes en direct, mais pourtant on ne voit pas parler. Et le but, Neymar, qui marque le quatrième but pour mon équipe. Et là c'est terminé, hein, 4 buts à 1. C'est sûr certain que je continuerai cette série, les amis. Donc voilà, Neymar qui se rattrape un petit peu de toutes ses erreurs techniques durant tout le match, enfin durant la seconde mi-temps. Et donc oui, pas mal de gens disaient, mais je comprends pas parce que tu commentes là, mais on ne doit pas parler sur la caméra. En fait, j'ai déjà filmé le match, tout est déjà passé, mais je vous dis pas ce qui se passe. Voilà, je commente comme si que je savais pas vraiment ce qui allait se passer. Enfin vous dire, bon bah voilà, alors là je vais gagner 4-1, bah non, ça sert un peu à rien. Donc ouais, j'essaie de faire vivre un petit peu le match. Donc bah si je perds, je vous le dis pas au début. Après vous voyez, hein, de toute façon quand je joue, etc. Donc voilà. C'est pour ça que pas mal de gens comprenaient pas très bien. Vermaelen la frappe à côté. C'est pour ça, c'est voilà, je fais comme si que je connaissais pas le score, etc. Pour que vous puissiez découvrir bah simplement le résultat du match. Mais si parfois bah, je me rappelle un peu ce que j'ai fait, donc des fois je commente un peu comme si j'étais dans le match, donc c'est un peu déroutant, je l'avoue. Ouais, il aurait dû y avoir faute là, monsieur l'arbitre. Bon, ça va être terminé en quelques secondes. Dembaba, la balle profondeur, peut-être pour... Oh, dommage, c'était bien joué, une très belle action, mais malheureusement pour l'adversaire, ça n'a pas payé. Et voilà, mes amis, le score final est de 4 buts à 1. Ma série continue donc avec Thiago Silva, encore une fois, une note exceptionnelle de 9,6 sur 10. J'en suis donc maintenant à 5 victoires en cette saison. C'est plutôt cool. Je pourrais peut-être prétendre au titre champion. Voilà les amis. Là vous pouvez voir maintenant, pour terminer la vidéo, parce que la dernière fois j'avais mis les stats du début de la vidéo du match, du coup c'était un peu faussé dans le premier épisode. Donc là voilà, pour terminer de manière claire, voilà, 295 victoires. Donc 295 moins 283, ça fait bien 12. Et 50 moins 48, ça fait bien 2. 12 plus 2, ça fait 14. Voilà, 14 matchs sans défaite les amis. Merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. Je vous dis à tous à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Vinsky, peace and game. Oui, mais juste une petite précision, dans le premier épisode, à la fin, beaucoup de gens ont dit oui, c'est bizarre parce que la victoire que tu as réalisée n'a pas été comptabilisée. En fait, j'ai rallongé la vidéo et vu qu'elle s'était coupée à la fin du match, moi j'avais rallongé pour pouvoir parler dessus. Tout simplement, la vidéo s'est répétée et donc du coup, au début, on a les stats. Et à la fin, on a les mêmes. C'est pour ça, il n'y a aucune tricherie. Parole d'honneur. Match 5.